Oh putain. John, merde. Tu m'entends? John! Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le tunnel s'est effondré. Vous avez vu, John? Merde. John, tu me reçois? Il était juste devant nous. Faut qu'on sorte de là! Non, attendez. Si on essaie de soulever les rochers, tout risque de s'effondrer sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux attendre. Mais y'a rien qui dit qu'on est en train de gagner là-haut. On peut attendre une équipe de sauvetage pendant des semaines. Si John est en vie, il nous sortira de là. Bordel, il est mort! Alors pour le moment, on reste en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Putain, ça va me rendre dingue de rester ici à attendre. Du calme, nos armures nous donnent du sursis. Ils sont en train de mourir là-haut! Ouais, on n'entend plus de bombardements. Si ça se trouve, les combats sont terminés. Faut tenter quelque chose! Oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir non plus si le tunnel ne va pas continuer à nous tomber dessus. Je préfère tenter quelque chose que de rester planté là. On attend encore. Putain, fais chier! Jim, calme-toi! Je me calmerai le jour où on sera sorti. Jim, patience. Je suis certain qu'on sortira de là. Ouais, c'est facile à dire. Eh les gars, vous savez quel jour on est? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? C'est Noël. Et alors, ça va nous sortir de là, peut-être? Noël. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait attention à Noël. Moi non plus. Depuis que... Oh, putain. Pourquoi? Putain, les gars, c'est pas le moment, faut qu'on sorte de là! Et pourquoi tu t'en veux, Billy? Parce que c'était leur fête préférée. À qui? À ma femme et ma fille. Elles auraient toutes les deux vendu la paix du monde pour avoir juste un Noël de plus. Quand elles préparaient les décorations, vous auriez vu les étoiles qu'elles avaient dans les yeux. Ah, bordel, je savais pas que t'avais une famille, Bill. Mais c'est pour ça que je suis devenu Spartan, mais je suis pas sûr d'avoir le courage qu'il faut. Si on t'a enrôlé, c'est que tu l'as. Mais regarde, toi tu veux qu'une chose, c'est remonter à la surface pour aller casser du paria. Et toi Flynn, tu gardes ton calme et ta confiance en tout instant. C'est... Je peux plus, j'y arrive plus. On a tous peur, tu sais. Toi, t'as peur? Oui. Oui, je veux remonter, moi. Pour casser du paria, ça oui, mais pas par courage. Parce que j'ai envie de sauver qui que ce soit. Moi, c'est juste... Je suis tellement en colère. J'ai la haine, je veux tous les voir mourir. C'est-à-dire que ces choses sont là à côté de moi, j'en peux plus. J'ai juste la rage. Disons juste que j'essaie d'en faire un bon usage. Je te comprends, Flynn. Ils nous ont tous enlevé des gens qu'on a aimés. Ah, fais pas semblant de me comprendre. Tu crois que je n'ai pas envie d'hurler des fois? Tu crois que c'est facile pour moi de toujours tout faire pour garder mon calme et motiver l'équipe alors que l'humanité n'a jamais été en aussi grand danger? Mais c'est justement parce que ce danger rôde que je m'efforce d'agir ainsi. Car si nous, Spartans, nous ne montrons pas l'exemple, qui d'autre le fera? Des gens meurent tous les jours. Nous sommes là pour inspirer l'espoir qu'un jour tout ça cessera et que nous serons enfin en paix. C'est pas contre toi que je suis en colère. Je sais. Je voudrais tellement venger tous ces innocents, tous ces frères d'armes, sacrifiés. Je sais, mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement essayer d'avoir un impact sur l'avenir. Et foncer tête baissée n'aidera personne. Au contraire. Ouais, si tu le dis. N'empêche, vous trouvez pas que c'est très calme? Ça fait des jours que ça n'a pas été autant. Ça fait tellement de bien, même si on est enfermé ici. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait être pire. On n'entend plus personne hurler. Ok les gars, moi je fais un vœu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Quoi, on en est? Il n'y a plus qu'un miracle de Noël pour nous faire sortir de là. Il se fout de notre gueule, non? Laisse-le. C'est quoi ton vœu? Je veux fêter un dernier Noël. Ouais, enfin en pleine bataille, tu vas pas t'arrêter de découper ta bûche de Noël et ouvrir les petits cadeaux aussi, non? C'est pas ça, Noël. Noël, c'est de l'espoir. C'est un état d'esprit, c'est faire le bien autour de nous. Finalement, je crois que je m'y retrouve pas mal. Et donc c'est mon vœu. Bah écoute, si se réalise, je t'offrirai une bière. Ah, très drôle. Putain, c'était quoi? Je sais pas, mais... Il y a de l'air? Ouais, j'ai l'impression de voir la lumière aussi. Hé hey, les gars! Vous êtes là? John! Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. Nos armures ont tenu le choc. Et toi? Rien de cassé? Non! RS! Tenez bon! Je vais vous déblayer le chemin! Putain, c'est qui va finir par me faire croire au miracle de Noël, ce con. Joyeux Noël, Jim.